Bonjour à terre toutes et puis bonjour à terre tous. Oh, et bien avec Sandrine, le symbole de la femme ouvrière de quartier sans le en mien, eh bien mi chemin va vous parler de quoi que je pense de la femme, annuée qu'en est le 8 mars de l'année 2021. En tout cas, mi cause, elle est sûre et certaine, c'est que je suis féministe d'être une femme et que même si c'est tué à choisir, je préfère correct une femme, même si c'est pas toujours aisé, même si c'est pas toujours facile. Ben ouais. Mais je pense qu'il a déjà vécu de chemin, beaucoup de chemin qu'il était fait, mais il n'appelle qu'il n'a qu'à à faire. Déjà, au niveau de l'état civil, bon, quand elle va se marier, elle va prendre automatiquement le nom de nouveau homme. Ouais. Et maintenant, ça, c'est en train de changer, elle peut garder ses deux noms. Après même, il n'avouait qu'il a appelé une femme, Madame Alfred de Dupont. Hein, ben ouais, elle perdait carrément même sa tchounon, elle perdait parce qu'elle mettait Madame et puis elle mettait tchounon. Le prénom de ce homme. Hein. Après ça, quand elle va attendre un tchou, ben ça va se virer au corps. Ben oui, elle va grossir. Après, le tchou va être né, ça va se virer. Tandis qu'il y a un homme, il est en train de devenir père, ça ne se voit pas sur son corps. Le tchou, il est né, ça ne se voit pas sur son corps. Hein. Ben voilà, puis même après, elle ménopause et puis tout ça, ben ça va se virer aussi sur nos corps, qu'elle a pris de l'âge et puis tout ça. Ben non, ben chez les hommes, eux, ça ne se verra pas. Après ça, si jamais qu'elle vient à divorcer, eh bien, c'est pareil, elle va y reprendre notre nom, notre prénom de naissance. Un homme, lui, il gardera tout dit le même nom. Elle ne sait pas si qu'il a eu plusieurs femmes ou pas, ça restera tout dit le même. Ben ouais, c'est comme. Et puis quoi, si qu'une femme, elle veut garder le nom de ce homme, c'est seulement s'il veut bien. Et puis quoi, il faut quoi redonner des sous, il faut quoi repayer. Mais mi, je pense que c'est à cause de ça que nous, chez femmes, on est plus franches qu'un au moins de matière comme dans nos cerveaux. Parce que, à nos yeux, l'habitude, tout dit, de dire quoi qu'un fouet, puis quoi qu'un nez. Bon. Après ça, il y a quand même une cause qu'elle est tout sûre, une différence fondamentale entre un homme et puis une femme. Alors, un homme, lui, mais je pense qu'il a quand même une constitution de ses muscles, qu'elle est tout plus forte, et puis chez hommes, c'est vrai qu'ils ont plus de poigne, quand il faut dévisser chez bocal, et puis tout ça, c'est plus aisé pour chez hommes. Mais bon. Le forge, elle ne va pas en parler parce qu'il n'a qu'un fond est un usage, hein, qu'un euro, qu'un rien que de n'en parler, je n'ai perdu ma voix, heureusement, et je vous ai félicite, Claire, que le police, elle est là quand même pour aider toutes ces femmes qui vivent des sales quarts d'heure pour remettre ces hommes dans le droit chemin, et Claire, il y a encore du chemin à faire aussi à ce niveau-là. Mais si les muscles de ces hommes, elles se dévouaient parce qu'il n'a qu'ils font commode, de le gonflette, et puis tout ça, nous, chez femmes, on a un avantage sur ces hommes qui ne se voient pas à l'œil nu, mais qu'à nous, quand même, ça se passe dans nos cahuètes. C'est bien muché, ben ouais. Mais il y a quand même, nous, dans nos cahuètes, un conduit qu'il est là dans le cerveau muché, qu'il est quand même à tout mollet plus large. Et comme il est plus large, c'est pour ça que nous, chez femmes, on peut avoir plusieurs idées à le fouet. C'est pour ça qu'on peut faire plusieurs causes à le fouet. On est là en train de faire nos tripots, de faire du ménage, de faire à manger, de faire tout ça. En même temps, on est en train de faire réciter chez table à ch'tiou, on est en train de l'aider à faire ses devoirs. Ça ne se voit pas, mais c'est pour ça que dans nos cahuètes, on peut faire plusieurs causes à la fois. En tout cas, mi, je dis qu'il y a des mots qu'il y a pour proposer. Mi, je m'en vais proposer un mot. Le mot que je m'en vais proposer, c'est vaincatrice. Pourquoi vaincatrice, hein? Eh ben, il n'y a pas de féminin pour vainqueur. Or, il y a bien des moments où qu'on est vainqueur. Or, béyé, nous ici en Picardie, toutes ces femmes de ces grandes villes, eh ben, chez les mères de ces grandes villes, hein, à Amiens, Saint-Quentin, à Beauvais, même à Lille, et puis tout ça. Donc, quand on dit vainqueur, il n'y a pas de féminin. Mais je dirais vaincatrice, de la même manière qu'il y a cantatrice pour une femme. Il n'y a pas l'équivalent pour chez hommes. Donc, mais je dis qu'acheteur, un pour faire cantateur, cantatrice, et un pour faire vainqueur, vaincatrice. Allez, adé!